Si votre véhicule n'est pas équipé de ce tableau de bord, veuillez consulter votre manuel du conducteur pour en savoir plus. Le système d'alerte de trafic transversal permet d'avertir le conducteur, à l'aide d'avertissements visuels et sonores, si un véhicule est à l'approche sur le côté alors qu'il fait marche arrière pour quitter un espace de stationnement. Le système de freinage automatique arrière fonctionne lorsque le levier de vitesse est à la position de marche arrière et que la vitesse du véhicule est inférieure à environ 8 km/h. Les systèmes d'alerte de trafic transversal utilisent des capteurs radar situés des deux côtés du véhicule, à proximité du pare-choc arrière, pour faciliter la détection des autres véhicules à l'approche sur la droite ou la gauche du véhicule. Les capteurs radar peuvent détecter un véhicule qui s'approche à environ 20 mètres. Si le capteur radar détecte un véhicule à l'approche sur le côté, un carillon retentit et le témoin du système d'avertissement sur l'angle mort du côté du véhicule à l'approche se met à clignoter. Dans certains cas, vous pourriez vouloir désactiver le système d'alerte de trafic transversal. Pour activer ou désactiver le système, appuyez sur la flèche vers la droite ou vers la gauche jusqu'à ce que « Réglage » s'affiche à l'écran d'information du véhicule. Appuyez sur la flèche vers le haut ou le bas pour sélectionner « Aide à la conduite », puis appuyez sur le bouton « OK ». Sélectionnez « Aide au stationnement » et appuyez sur le bouton « OK ». Sélectionnez « Trafic transversal ». Utilisez le bouton « OK » pour activer ou désactiver le système. Veuillez consulter le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système, et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques.